Alors moi je m'appelle Nicolas Desté, j'ai 23 ans et je suis français. J'ai fini mes études l'année dernière et j'ai acheté le bateau dans la foulée pour faire la mini transat avec. Donc moi c'est Sébastien Pébellier, j'ai 24 ans et je viens de finir mes études. Et mon numéro de bateau c'est le 660. Je m'appelle Quentin Vlaminck, j'ai 22 ans, mon bateau c'est le numéro 728, un 0 en bateau de série. Et je suis skipper et préparateur pour le trimaran Multi-50 Arkema. Mon bateau, il est rouge déjà. La qualité, c'est qu'il est rose déjà. Et non, la qualité, c'est qu'il est hyper fiable. Et je le connais très très bien parce que j'ai pu l'optimiser pendant 3 ans. Donc c'est un proto, un plan manuart qui date de 2006. C'est le numéro 630. Et c'est un bateau tout en carbone avec qui pivote, des ballasts, des dérives, des safrans qui se relèvent. Enfin, c'est un proto assez complet. C'est pas le plus récent, mais c'est pas le moins rapide non plus. Donc c'est un potentiel qui me convient. Et il est fiable. Et le défaut, c'est qu'il va pas forcément. C'est pas forcément le plus rapide à toutes les allures. Si j'arrive à garder les mêmes résultats que sur les courses de la saison, déjà c'est pas mal. Donc ce serait un top 10, quoi. Et vraiment, le but, c'est d'arriver au bout. De prendre de l'expérience pour la suite des années à venir. Bah, d'arriver au bout déjà, ouais, avec le bateau. Parce que des fois on peut arriver au bout sans le bateau, c'est marrant. La plus grande angoisse, c'est de me faire doubler. J'aime pas ça. Et puis m'amuser et puis faire une bonne place, ouais, j'aimerais bien finir les 10 premiers. Quoi. Mais vraiment là, c'est à la fois c'est une course, mais l'objectif sportif, j'y vais pas que pour ça. Quoi. L'envie de faire de la mini, j'y pense depuis assez longtemps. J'étais jeune et que je commençais la voile, je regardais déjà dans les magazines le départ de mini transat. J'aime bien naviguer et j'avais envie de retourner sur l'eau et de faire un gros projet. Et je me suis lancé là-dedans il y a 3 ans déjà. Il y a une fusée sur le bateau, la fusée de Tintin en fait, qui est en rose, qui fait toute la longueur du bateau en dessous. Et voilà, ça me paraît plus vite. Et sinon, j'ai aussi la meilleure mascotte de la flotte. En la personne de Jimmy, mon lapin, en peluche, bon, qui fait toutes les courses avec moi et qui fera la transat avec moi. J'espère que tous les deux on arrivera de côté. J'ai déjà fait une transat sur un Multi-50 vers un monde sans sida d'Éric Nigon. On était parti de Port-Médoc jusqu'à Québec, donc on était en équipage. C'était assez rapide. Là, ça risque d'être beaucoup plus long. C'est une super aventure et c'est aussi une course haletante. Ça tourne. Ok. Ça devient d'où? Problème de lumière. ta plus grande peur sur cette transat? Moi, le petit dé, il va être sympa, quoi. Oui, voilà. Super. C'est tout? Ouais. Merci beaucoup. Oui.